retrouve dans cette vidéo avec un petit vlog pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ces dernières semaines en termes de céramique, d'atelier, mais surtout de déménagement, puisque vous avez peut-être suivi, mais j'ai déménagé, j'ai maintenant une maison à moi que je partage avec mon chéri et j'ai un super atelier dans cette maison. Donc là, c'est les semaines où j'ai déménagé, emménagé et où je me suis un petit peu habituée à mon nouvel espace, où j'ai essayé de commencer à produire, et je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve plus tard. Enfin, surtout des pièces test et de la terre de recyclage. Donc j'ai récupéré tout ça, maintenant je suis opérationnelle à 100% dans mon atelier. J'attends plus que les grosses livraisons de mon four, de mon extrudeuse, la croûteuse, etc., le gros matériel. Mais ça devra encore attendre, mais ça ne m'empêche pas de commencer à produire, à tourner et à faire plein de choses. C'est juste que là, avec des températures comme aujourd'hui, donc là on dépasse les 30 degrés je crois aujourd'hui, c'est clairement insoutenable. J'ai un atelier qui est totalement vitré et avec... enfin en fait c'est une véranda quoi. Donc là il fait presque plus chaud à l'intérieur de l'atelier que dehors. J'avais tourné hier trois pièces pour faire des tests pour de nouvelles gammes de pièces. Je voulais les tourner assez aujourd'hui mais je pense que même sous plastique elles sont archi sèches. Donc je sais d'ores et déjà que si elle refait des températures comme celle-ci, je vais devoir stocker mes pièces de tournage à la cave. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai un super atelier, hyper lumineux, j'ai une cave, donc on va s'en sortir. Pour l'instant, je vais aller me décrasser et me rafraîchir à la douche. Et puis après, on verra si j'arrive à faire quelque chose de ces pièces ou pas.
ce qui se passait à l'atelier à ce moment-là, c'est qu'il faisait à peu près 37 degrés dehors et donc encore plus chaud à l'intérieur. Et donc, j'arrivais pas du tout à tourner et je m'acharnais à faire des choses que j'arrivais pas à finaliser. Donc, j'ai plutôt choisi de faire les tâches que je repousse toujours à plus tard. C'est-à-dire que là, j'avais besoin de ranger des pièces, de compter mes stocks, de remettre en ligne certaines pièces, de mettre des nouveautés aussi et de prendre des photos. Donc, je me suis occupée de tout ça avant de partir en vacances et ça m'a permis de partir un petit peu plus l'esprit tranquille et de pas me frustrer à m'acharner sur quelque chose que j'arrivais pas à faire. Ça y est, la vidéo est presque terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Je vous invite à mettre un petit j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram où je suis le plus souvent au quotidien. À très vite !